Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour moi, ça va nickel. Toujours un plaisir de vous retrouver sur ce cinquième épisode déjà du DLC de Horizon Burning Shore. La dernière fois, rappelez-vous, on s'était aventuré en dessous de ce gros machin, là, par là-bas, par la petite grotte. On avait récupéré le gant d'Iron Man, même si je rigole en l'appelant comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Là, on doit se diriger vers la plage. J'ai pas de quête secondaire, en tout cas pour le moment. Par contre, on avait des points de compétences, donc je vais m'en charger tout de suite de les utiliser. Donc, on va. Attendez, on va prendre celle-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau? D'accord. Radiateur furtif. Ici, on a ça. Je voulais... Ah ok, j'ai pas assez de compétences. Il en faut combien? Ah si, je les ai déjà pris en fait. Ok, et dans celui-là... C'est quoi ça? Infliger des dégâts élémentaux. Ok. On va prendre ça. Et on va prendre ça. Voilà. Et ben écoutez, on va se mettre en route tout doucement. Vers la plage du coup. Je pense qu'on va sauter... Comme ça, et on va aller récupérer un bateau. Capsule d'eau de purge. Ok. Capsule d'acide. J'ai vraiment bien kiffé les deux derniers épisodes, c'était vraiment cool. Est-ce que je vais avoir chaud si je vais là? Non, on peut y aller. Ouais, vraiment joli. Par contre, pieds nus comme ça sur la roche de lave, c'est pas ouf. Et on va se reprendre le bateau. Je sais, j'aurais pu utiliser l'aile des lions, mais... Écoutez, il y a un bateau, nouvel outil, nouveau moyen de locomotion. Pourquoi s'en priver, non? Moi, comme je vous l'ai dit, ce que j'attends surtout, c'est... L'aile d'Hydro, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ouais, vraiment hâte de savoir si on va réussir à sauver tout le monde. Je pense que oui, hein, là-dessus je me fais pas de doute, mais j'y mets toujours une réserve au cas où. Faut que je passe par où? Par là? Non, je peux passer par là. On va passer par là. Alors j'ai eu quelques retours sur les premiers épisodes. Apparemment ça avait l'air de vous plaire. Donc je suis plutôt satisfait. C'est toujours une prise de risque comme ça quand on change un peu et qu'on casse les codes de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc pour le moment je suis plutôt serein. Et en tout cas, moi, c'est vraiment un plaisir. Un plaisir partagé, en tout cas. Hâte de vous faire les prochains autres let's play. Puisque ben, vous allez être gâtés. Puisqu'on va enchaîner. Alors, normalement, à l'heure où vous verrez cet épisode-là, je sais pas encore si vous aurez vu l'épisode, le premier épisode ou les deux premiers épisodes de Dead Island 2. Normalement, oui. Mais j'y mets quand même un cran de sûreté. Si je puis dire. Et puis on enchaînera après avec Jedi Fallen Order que j'attends aussi énormément, qui a l'air d'être massif. Donc why not, comme on dit. Alors j'ai pas vu de teinturier par contre. Je sais pas s'il y a un teinturier spécialement pour les tenues. En tout cas j'en ai pas vu. Là-bas il y a une tour de défense. Ah ouais, attendez, ça on l'avait pas vu. Il y a des trucs de ouf là-bas. Ah ouais. Ah ouais, ça rigole zéro. Donc, ça avait l'air d'être par là. Ah, attendez, je vais aller choper le... Je vais aller choper le camp là, ici. Voilà. Je pense qu'elle doit être pas trop loin.
Hop, on va sauvegarder. Et je pense qu'elle est un peu plus loin. Ça, c'est quoi, ça? Avant-poste de disciple. D'accord. Bah, je vais reprendre le bateau pour y aller. Je voulais juste choper le... le bateau, enfin le camp, pardon. Je crois que je suis trop près de la tour. Je devrais l'éviter. Trop près de la tour? Quelle tour? Là-bas? Il y en a une dans le coin? Ah bah elle est là. Ok. Là voilà. Je pense que tout ça risque de disparaître. Oui, je suis... désolée de t'avoir lâché ça comme ça. Au moins, t'as été honnête. On ne peut pas en dire autant de moi. Ces peintures qu'on a vues... le bâtiment de Landra. J'ai reconnu ce style. Elles sont de ma sœur. Elle est... l'une des leurs. L'une... de ses disciples. Je ne voulais pas que tu le saches. Ou je ne voulais pas l'admettre. Je l'ai perdue. Elle est partie. Et j'ai l'impression d'avoir perdu ma tribu aussi. Maintenant, tu me dis que la fin du monde approche? Qu'est-ce que je suis censée faire de tout ça? Sega... tout ça pourquoi, hein? Sega, je comprends tout à fait pourquoi tu m'as rien dit. C'est rien. Mais ta sœur... ton peuple, ils font partie de toi. Rien ne changera ça, tu dois te battre pour eux. Pour les sauver de Landra et peut-être aussi pour les sauver d'eux-mêmes. Et tu y arriveras. J'en suis sûre, ça fait partie de ce qui te rend... génial. Faire ça toute seule. D'accord? Je vais t'aider, je te le promets. D'accord? D'accord. Il faut qu'on trouve un moyen d'accéder à cette péninsule. Les courants, ils sont trop forts pour nager. Ouais. Et si on vole ou qu'on prend la mer, la tour nous tirera dessus. Je me disais... il y a une machine qui peut à la fois voler et plonger sous l'eau. L'aile d'Hydro. Je croyais que t'avais dit que les tours en avaient abattu plusieurs en vol. Ouais. Mais si on en montait une, on y arriverait peut-être. On pourrait plonger au bon moment pour esquiver les tirs. Tu crois que ta lance peut en dompter une? Non. Pas encore, du moins. S'il reste des ailes d'Hydro, tu pourras en trouver une? On en a repéré après la destruction de la première tour. Je vais me renseigner au campement. D'accord, dis-moi quand t'auras une piste. Pour l'instant, je me penche sur le piratage. Je dois avouer que je n'attends pas ce moment avec impatience. Ah, bah voilà, le seul truc que je voulais... cassant. Alors attendez, je vais juste faire un truc. Pas un mètre. Je vais juste voir quel couvre-chef est là. Tiens, là. Bon. Tout va bien. Bah, c'est plutôt stylé. Après, allez. Est-ce que j'ai envie de l'avoir ou pas? Ça, c'est la question.
On va le laisser. Ou pas. Je vais avoir besoin d'aide pour celle-là. Non, je vais pas le laisser parce que sur tenue, je suis pas trop fan. Hey, Beta, j'ai besoin de ton aide. Ah bah voilà. Gaïa et toi, vous pouvez faire en sorte que mon piratage d'aile des lions fonctionne sur une aile d'hydro. Le code des deux machines est plutôt similaire. On devrait pouvoir bricoler une mise à jour au terminal de fabrication. Mais il nous faut des données de régulateur de ballast et une membrane d'aile d'hydro intacte. Ok. D'accord. En attendant, je vais tout préparer ici avec Gaïa. Sois prudente. Selon Saïka, il y avait des ailes d'hydro près de la fin de la flotte. La tour des zéniths qu'on a abattue les a anéanties en plein vol. Je pourrais plonger pour trouver les pièces. Alors, c'est où ? Bon, c'est tout là-haut. Bon, là, on va... J'ai vu un truc. Une pioche. Il me faut ça. Je vais appeler. Je suis à court de munitions. Oh, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Voilà, on va y aller en volant. Essayer de dégoter ça parce que je suis impatient d'avoir cette aile d'hydro. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que ça ressemble un peu à Avatar, parce que c'est à peu près les mêmes attraits. Vous avez vu la voie de l'eau, justement. Toujours magnifique, ce paysage. Je pense qu'une fois qu'on aura l'aile d'hydro, là, on essaiera d'aller dans le nuage, là-bas, où il y a la tempête, pour voir un petit peu ce que ça donne. Là, il y a le paysage qui est là. Enfin, le paysage. C'est encore loin, non, c'est là. Ok. Je plonge. Quel monde ici. Ouais, un peu de monde. La tour des zéniths ne l'a pas loupé, celle-ci. Pas de pièce ici. Ok. Ok, on en a un juste en haut. Allez, vas-y, va-t'en. Oh, il y en a partout en fait. Il y en a partout en bas. Discretos. Par où est-ce qu'il est? Il est là. Composant son fichu. Je dois continuer à chercher. C'est pas du tout le bon moment. J'ai vu un truc ici, c'est quoi? Une cache. La question c'est où est-ce qu'il y en a? Parce que vous êtes gentil, mais...
Allons-y. Évidemment, il fait demi-tour. Il m'a pas vu. Non, moi, il me voit pas. Je suis caché. Enfin, je suis caché vite fait, mais... Très vite fait, mais... Ok. Je suis censé trouver ça aussi là. Régulateur ballast. Je dois fouiller cette aile d'hydro. Ok, de l'autre côté. J'ai pas peur de l'eau, tu vois. Mais de savoir qu'il y a des méga trucs qui me rôdent autour là. J'avoue que je suis pas super serein. Il était où? Baliste Quen. Il semble fonctionner. Ça pourrait endommager ces dérapateurs. Ouais. Ici. Est-ce qu'il me faut, je dois y aller. Ok. Vous m'avez pas vu. Fluide comme une flèche. Allez vite, sors. Bêta, j'ai les clés. Bien joué, ça. Envoie les données. Bien sûr. Et... C'est fait. Je t'envoie la mise à jour. Parfait. Applique-la au module de piratage de ta lance. Ça devrait marcher sur toutes les ailes d'hydro. Merci, Bêta. Quand tu veux. Bonne chance dehors. Je dois trouver un établi pour appliquer la mise à jour. Ok, ici, il y en a un d'établi, normalement. Il me le met où, l'établi? Tout là-bas. Ok, bah allons-y alors. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je sens que ça va être méga stylé. Hâte de voir si c'est plus rapide ou pas. L'aile des lions. Un établi. Je peux installer le piratage pour l'aile d'hydro. Parfait. Alors déjà, je vais faire passer le temps. Histoire qu'on soit en pleine journée. Faire passer le temps, on va se mettre à 7h. Voilà. Parfait. Et installons le module. Ok, parfait. Là. Seika, t'as trouvé une aile d'hydro? J'ai repéré un troupeau à l'extrémité sud de la fin de la flotte. Je suis en train d'y aller. C'est le moment de se ravitailler. Une fois sur place, il faudra partir tout de suite. D'accord, on se voit là-bas. Où es-tu? Avec un peu de chance, on arrivera à... J'arrive, c'est loin? Non, c'est tout près. Je sais pas trop j'en suis où au niveau histoire du DLC. Bon, c'est le cas de battre quelque part dans le coin. Aloy, je suis là. Les ailes d'hydro sont sur la plage, t'as le choix. Dès que tu auras réussi à en contrôler une, on verra si notre plan fonctionne. Ok, eh ben allons essayer, du coup. Merci.
Tâchons de faire ça avec toute discrétion. Ah non, elle s'est pas posée. Vas-y, viens, si tu veux venir. Ok. C'est parfait. Alors, est-ce qu'elle va venir ou pas? Ouais. Oh, c'est massif, hein. Pirater Eldinos. Alors, prête à emmener cette machine au parc de Landra? Oui, mais avant... Un ami m'a aidé à fabriquer ça. Mais... Et toi, alors? Ça va aller. T'en fais pas. D'accord. On va tenter. Ok. Oh my god. C'est stylé de fou. Voler pour plonger. Ok. Attends, je vais chronométrer nos plongeons pour éviter. Je plonge. On arrive. On y est presque. C'est good. Ok. Sans ce masque, j'étais inquiète pour toi. Je comprenne comment ça marche, mais... Je vais bien. Merci. On y est. Méga cool. Allez, trop stylé. Allez, mettons fin à tout ça. Alors... Aloy, garde droit devant. Tu as vu Walter aujourd'hui? Non. Il est enfermé dans le volcan depuis l'arrivée des derniers. Ok. Ben mettons-nous en route pour ce gros volcan. On y trouvera peut-être aussi Kina. Ben, je pense que on arrive à la fin en fait. Ouais, c'est ça.
Voilà. Ça, c'est fait. Ici, on a du monde. Je tuerai pour Walter si c'est ce qu'il demande. C'est pareil, on va laisser avancer. Je te suis. Je suis curieuse de voir ta méthode. Hop. Bon, on continue. Avec ce voilà, parfait. On va devoir trouver un autre moyen d'entrer. Alors, ensuite. Ok, feu de camp découvert. J'espère qu'on pourra entrer. Bon, je pense que oui. Londra Productions. Encore une de ces entreprises, j'imagine. On dirait qu'il tenait absolument à toucher à tout. Alors, comment on grimpe? Un coup d'attracteur, certainement. Ok, par là. Ok, nice. Et elle monte. J'ai faim. J'hésite à aller voler des rations en plus. Oublie. Tout est coupé. Feder est le seul à l'avoir. Ici. Je connais Feder. Une vraie ordure. Même avant l'arrivée de Londra. Mais sa clé nous serait bien utile. Bah, on va essayer de le choper. On se croirait dans un autre monde. On va essayer ça, tiens. Ouais, je suis pas fan quoi. Ça va hein, c'est stylé hein. Mais bon, est-ce que ça vaut est-ce que c'est plus stylé qu'un arc et une flèche Je crois que c'est un dinosaure. Pas certain quoi. Un devin m'en a parlé une fois. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je crois que c'était conçu pour un hologramme. Tout ça pour quelque chose qui n'était pas réel. Ouais. Alors, désolé, j'étais en train de boire un coup. Ok. Bah, je suppose que c'est par là. C'était quoi cet endroit ? Je pense que les anciens avaient installé des hologrammes pour divertir le public. Mais l'endroit en lui-même était aussi une expérience de divertissement. Plutôt, ouais. Celui-là ressemble à un volcan. Ouais. On dirait que c'est au nord-est d'ici. Alors, on a des trucs ici. Salut, mon grand. Si haut qu'un grand coup. J'espère que lui aussi, il était gentil. Tu m'étonnes. Du coup, c'est marrant parce que les machines ressemblent à certains dinos. Hein. D'où le grand coup, par exemple. Quelque chose dans l'armurerie, c'est moi qui m'en occupe. D'accord ? D'accord. C'est bien parce que c'est toi. On dirait que Londra garde quelque chose dans l'armurerie. C'est peut-être ce bâtiment-là. Je vois pas, c'est un peu près. Je t'en tirerai pas comme ça. C'est parti ! Ok. Est-ce que ça
c'est bon, pardon. On va le garder, mais... Soldats tentaient un baroud d'honneur contre les dinosaures. Ah. C'est ridicule et presque génial. Le volcan est par là. Eh ben, voilà le volcan. Qu'est-ce qu'on a là ? Une espèce de camp, parce qu'on est où là sur la map? Ok. Parc... Pongé, ok. Je pense que de toute façon, après l'histoire, je pense que je continuerai 2-3 vidéos dessus, du style exploration... Je vois pas comment ouvrir la porte, mais il doit y avoir un moyen. Les gardes ont parlé d'un endroit qu'ils appellent l'armurerie. L'armurerie, ok. Bah, trouvons l'armurerie alors. Ah oui. Bah, la question, c'est qu'il faut chercher partout, quoi, du coup. Ok. J'ai mal au pied. Je vois. Comment faire un rapport à l'autre crétin quand on a fini? Tu veux dire Feder? Ouais. Il est à l'ouest du parc. Plus de munitions. Voilà. Parfait. Il fuit. Oh, la musique s'emballe là. Elle s'emballait. Examiner. Celui-là pouvait parler. Des lézards qui parlent. Pourquoi pas. Effectivement, pourquoi pas. Ok, ici. Ça c'est beau, hein. Vache. Alors, j'ai pas l'impression que l'armurerie soit par là, mais... On a un peu de dino. Là, on a quoi là-bas? Eau de pâte et. Ok. Voilà, ça dégage. Allez, vas-y. On va essayer de l'avoir à distance. Où est-ce qu'elle est? La machine est couverte de plasma. Parfait, ça. Impactante. Voilà, et lui c'était le feu. Au. Merci. Ok.
Alors si ça fait du dégât, j'ai l'impression, mais plus sur les machines que sur les mains, parce que je l'ai utilisé sans le vouloir, enfin sans le vouloir. Il faut qu'on reste ensemble, Aloy. J'arrive. Je récupère juste ça. J'avais pas capté qu'on s'était éloigné. Voilà, cher ami. Donc ça a pas l'air d'être par là. Ok, donc on va revenir à... à l'endroit qui nous est destiné. Est-ce que l'armurerie serait par là? Bon, j'ai pas l'impression, mais... on va tester. L'ouest du parc. Feder devrait être quelque part dans le coin. Beaucoup de dinosaures ici. C'était sûrement une sorte d'attraction. C'était une attraction de se faire attaquer par des dinosaures? Celui-là peut-être. Ressemble à un galoglyphe. Il voyage aussi en troupeau. Alors, voyons qu'est-ce qu'on a bon par là? D'accord, je te suis. Une petite cache. Ok. Ça doit être par là. Attaque des raptors. Ah parfait, c'est dont j'avais besoin. Une sorte de cristal. Ouh, quelle odeur. Mais ça pourra... Seulement ce qu'a dit Walter. Vide ton esprit. Il faut tout oublier. Oublier tes ancêtres, ton passé, et même ta famille. Pense à lui, à la signification de ce moment. Allez, je t'écoute. Comment ai-je pu ne pas rentrer quand je suis avec toi? Oh, j'ai encore échoué. Du calme. Imagine qu'il est à nos côtés, comme la première fois qu'on l'a vu sur la plage. Ressens la lumière de sa présence. Laisse-la t'envahir. Ensuite, dis-le. Comment ai-je pu ne pas rentrer? Quand je suis avec toi, je me sens à ma place. Je me sens chez moi. Oh, il va te choisir, toi, j'en suis persuadée. On a tous été choisis, Pyrrha. Tu auras une place dans son nouveau monde. Quoi qu'il puisse se passer. Pyrrha, Kina, il est temps. Feder, il va bientôt falloir évacuer. Compris. Deuxième escouade, vous êtes l'escorte. Pour les autres, restez avec moi jusqu'à ce que Walter nous ordonne de partir. Kina, n'oublie pas, Feder a une clé. Elle ouvre peut-être l'armurerie. Tu es garde Queen, Claire. Feder, trouver l'armurerie. Ok, ok. Allez, achevons-le. On peut peut-être les avoir discrètement. Vas-y, viens, toi. Les ennemis arrivent. Alors, je vais... juste retirer le point d'interrogation. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Alors on a du monde où à peu près? On va le marquer là-bas. En plein dans le mur. Ok, bim, balaboum. J'ai plus de munitions, ok.
discretos. Je vois cette façon. Une flèche à mort, c'est comme ça qu'on fait. Après, il restait du monde, je crois. Ok, on va peut-être la voir. Si je passe par là. Ça sera ta... Hop, et du coup, il en restait un dans le coin, par là-bas. Il y en avait un ici. Personne ne m'a vu. Ouais, c'est le gros monsieur, là. Il va me chercher des noises, lui. Il est par là. Ok. Ça, maintenant, voilà. Il faut la clé. Je crois que j'ai vu Feder tomber ici. Feder. Par là-haut. Exact. Bon, avec un peu de chance, cette clé nous permettra d'accéder à l'armurerie pour ouvrir vers le volcan et trouver l'Ombra. Il a vraiment lavé le cerveau de ma sœur. Comment peut-elle être si aveugle? Eh ben ça, bonne question. C'est par là qu'on sort. Non, c'est pas par là. Je cherche la sortie. Bah écoutez, on va repasser là-haut. Hop. Ok. Jusque là on est bon. Là, c'est un... T'as vu ça? C'est bon. Ok. Oh. Oh. Stylé. Ok. Elle suit ou pas notre chère amie? Alors. Ok. Je vais avancer parce que je sais pas. Elle a pas l'air de vouloir me suivre. On va avancer. Ah non, c'est bon, là voilà. Elle est débuguée entre guillemets. Faut juste qu'on prenne par où est-ce que je passe. Du coup, on va refaire le tour par là. Par ici. Des spectres. Je peux les affronter, me faufiler dans l'herbe. Alors voilà à quoi ressemblent les machines à rayons. Oh shit. S'il lui ferait de gros dégâts, en vrai. On va se les faire, hein. Elle est montée. Ça va faire
Aïe 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 aïe. Voilà, ça c'est fait. Et il y en a une deuxième là-bas. C'est bon. Je sais pas si j'ai fouillé celui-là, si j'ai dû le fouiller. Et on doit trouver, Femme, elle a l'air importante. Je me demande même si on va pas s'arrêter là puisqu'on est à peu près à une heure de vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter là et moi je vais enchaîner. Direct. Bon bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très très vite pour la suite. Ciao ciao.